salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'ouverture de booster Explosion Plasma. Donc comme promis, hein, il y aura certainement une vidéo, deux vidéos sur d'Explosion Plasma. Puis il y en aura d'autres dans l'avenir, mais je vais en faire deux à la suite. Et puis, ça fera trois en tout même, hein. J'en ai fait une la semaine dernière. Et puis ensuite, on passera sur autre chose et on y reviendra peut-être. Donc avant de s'ouvrir ces petits boosters, j'ai reçu mes displays ce matin même. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Alors, je vous montre et je vous explique après. Donc, en 4 displays, hein. En 4 displays, donc on a eu Impact G en 2 fois. Alors, c'est tout pour la high-tech. Hein. Un Jirachi X que j'avais déjà eu dans les tripacks. Donc, un Viridium X, très très joli. C'est peut-être ma ex préférée, hein. Elle est quand même jolie. Un QRM X, que j'adore également. Trop trop belle. Donc celle-là, je l'ai eu en 2 fois. Donc c'est plutôt sympa. On a eu un Palkia X. Je le trouve très, très moyen, hein, franchement. Et pour les X, on a eu Genesect. Genesect X. Donc en X, il me manque seulement Dialga, si je ne me trompe pas. Tac, en full art, on a eu Genesect, mais donc full art. Ouais, je la trouve banale. On a eu Viridium, qui est tout simplement magnifique. J'aime pas trop ce Pokémon à la base, mais là, wow. En carte, elle déboîte, hein, si je puis dire. Et on a eu une Shiny. On a eu le Noctuinoir Shiny. Donc voilà, hein, comme d'hab, les displays, je les ouvre avec ma compagne. Je ferai peut-être une ouverture de display un jour, hein, mais je sais pas. Ouais, peut-être aux 2000 abonnés, si ça tombe pour l'ouverture de X et Y, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Donc Noctuinoir. Tiens, on va faire ça, ouais. Si aux 2000, si l'ouverture en février, je crois, il y a X et Y qui sort. Si j'ai 2000 abonnés ou plus, hein, bien sûr, et ben, je vous ouvrirai une display entière devant vous, c'est promis. Donc Noctuinoir Shiny qui est quand même très très joli. Donc j'ai une 9 dans un tripack, hein, donc il ne manque plus que 2 Shiny. Donc les displays, donc ouverture très mauvaise. Hein. Regardez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça, je compte pas ça pour un ultra perso. J'ai eu 9 ultra en 4 displays. Hein. Ça fait quand même un quota de 2 ultra par display, sauf un où il y en a eu 3. J'avais jamais vu ça. J'ai eu 2 ultras par display, sauf le dernier display où j'en ai eu 3. Dans le dernier display, j'ai eu les 2 Genesect là. Et un QRM, je crois. C'est le seul display correct. Il y a un display où j'ai une Noctuinoir et Jiraishi. C'est affreux, quoi. C'est très mauvais. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai vraiment pas eu de chance. Ou si les high-tech servent en ultra. Déjà, j'ai eu que 2 high-tech en 4 boîtes. Je trouve ça très peu. Alors, je sais pas. Peut-être le quota a baissé, mais s'il a baissé, il était déjà très bas, donc c'est un peu dommage. Enfin bref. Donc là, on se retrouve pour l'ouverture de 12 boosters Explosion Plasma. Donc ce sont des boosters que j'ai eu sous blister. Je vous montre vite fait, on voit pas trop. Voilà. Que j'ai eu sous blister, que j'ai ouvert avant. Simplement parce que sinon, ça aurait pris trop de temps. Donc voilà. Donc on a l'image. Cette fois-ci, j'ai toutes les images. Donc c'est la même personne, hein, qui m'a envoyé des blisters, qui m'a envoyé des displays. Hein. J'ai pris quelques boosters à l'unité, il est fait pas très cher, donc c'était intéressant. Donc Dialga, par contre j'ai eu pas mal de fois les mêmes images. Donc le Porygon Z en 3 fois. Comment il s'appelle? Genesect en 4 fois et Palkia en 4 fois. Donc on va commencer par le Dialga. Je vais mettre ça comme ça, ça vous allez voir la pile descendre. Hop. On peut dire, regarde, donc on espère 12 boosters. De toute façon, clairement, en cas de display, hein, je vous dis, j'ai toutes les holos, j'ai regardé, j'ai toutes les holos, il me manque une rare, je crois. Non, je l'ai eu. Oh, ça a vérifié, Créelf ou Créfadé, peut-être. Mais sinon, ouais, alors, il me manque les ultras. Donc on espère avoir, pourquoi pas une shiny, ça serait cool. Bon, peut-être pas arriver non plus à chaque fois à avoir une shiny. Mais pourquoi pas le Dialga qui me manque en Rex. Pour être sympa. D'accord, bon bah gros fail, je suis vraiment désolé.
On va le faire quand même. Même si vous avez vu ce que j'ai eu, mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait un petit peu d'humour dans la vidéo. Je vais quand même vous présenter les cartes. Donc, Drabi. Autofocus quand même. Coupe-note. Dracarma. Anchouette. Escargot. Énergie Plasma. Lilia. Beios. Donc vous l'aviez vu, hein, Impulsion G, donc je l'avais pas. Et Génisecte. Que j'avais. Ok. Bah écoutez, ma foi. Moi j'aime bien. Donc la petite pochette en attendant d'aller sous classeur. Tac. Je vous mets de côté, je vous montrerai tout ça en fin de vidéo. Donc je filme encore avec la lumière, mais cette fois-ci une autre lumière, c'est un peu mieux je trouve. Parce que tout simplement, bah, j'ai pas l'occasion vraiment de faire des vidéos avant 16h ou 17h. J'ai d'autres choses à faire. Et puis bah, du coup, la plupart du temps quand je rentre, il fait nuit. Donc il fait nuit vachement tôt maintenant. Mais bon, je trouve que là, la qualité est pas si mal. Vous pouvez toujours critiquer, hein, c'est sûr, mais bon, je vous dis, hein, j'essaie de faire en journée quand je peux, mais quand je peux pas. Hein. Le principal, c'est que vous ayez votre petite dose quotidienne, je pense. Par contre, là, il faut faire un autofocus, on n'y voit rien. Voilà. Donc, on y va avec Porygon, Teedursa, Nucleos, Malos, Loclas. Alors, je sais pas pourquoi, il y a pas mal de cartes, j'ai repéré, qui ont un peu de rouge, un peu rougeâtre, comme ça. Je sais pas à quoi ça correspond. Octillery, alors celui-là il est sublime. Sincèrement, avec ma compagne, hein, je suis resté au moins 2 minutes à la regarder. Ah, je sais pas, c'est le rouge là, ça ressort bien. C'est très très joli. Hein. Mushana. Un bracelet d'argent en dresseur. Ouais, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était une shiny ou un truc comme ça. Et encore une high-tech, et bah dis donc, on est gâté. Master Ball, et donc je l'avais pas là. 94 sur 101, et puis Megapagos que j'avais par contre. Ah, c'est ça commence bien. Hein. Tac. Bon, les high-tech, hein, ça code comme une holo à peu près. Donc c'est pas non plus très très intéressant, mais ça fait toujours plaisir à voir. On continue. J'essaye d'ouvrir les boosters correctement. Je m'en resserre lors des échanges, je les donne en fait. Les personnes qui aiment bien des boosters. Comme ça. Donc les dépouillés vont à la poubelle et ceux encore en état correct, je les offre. Quanton, Stalgamin, Remoraid, Judocrac, Aragdo. Donc je ne vous montre pas la carte entièrement, c'est volontaire. Hein, ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même le Pokémon en lui-même. Donc Pijako, Mushana, Bracelet d'argent. Ah bah. Bracelet d'argent en reverse. Et on a Darié. Oh yes! Oh, je l'ai pas vu venir. Wow. Moi, je l'ai déjà, hein, comme je vous ai montré avant. Genesect X. Mais ça me servira de monnaie d'échange. Hein. Vous savez ce que je cherche, donc n'hésitez surtout pas. Wow, je suis content. Ah, je suis très content. Vous voyez, en 2 high tech, une X, en 3 boosters sous blister, on est déjà presque au quota d'une display. Hein, donc... Ou alors j'ai pas eu de chance dans mes displays. Donc Genesect X, la 11e sur 101. Donc c'est la première fois que ce Pokémon apparaît en France en tout cas. Plutôt belle. Pokémon de la Team Plasma. Donc quel est à l'échange? N'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé. Donc si c'est à l'échange, ça sera uniquement contre les cartes qu'il y aura dans la description. Donc en ce moment je recherche pas mal de cartes, donc profitez-en. Hein. On cherche des full art, bah vous verrez de toute façon. Ça a été écrit en description. 1, 2, 3, 1, 2. Ouais, je vous conseille clairement, à part si mes displays, vraiment j'ai pas eu de chance, sinon ouais, clairement acheter des tripacks ou des boosters à l'unité. Hein. Sous blister, hein, vraiment sous blister par contre. Vous êtes sûr d'avoir, avec 10 boosters, vous êtes quasiment sûr d'avoir au moins une ultra. Escargot. Kangourex, super joli. Un Blizzy. Un Machoke, Drabi, Oniglali,
Carbaf, Archiapti, un Macogneur en c'est Nolo, je ah je suis ah je suis plus très sûr, c'est Nolo je crois, Nolo Reverse on va dire. Et derrière on a non. Ah, je vous jure que c'est pas truqué. Jirachi ex Soulard. Waouh, oh, elle est trop belle. En plus, j'ai pas pris mes pochettes. Je me suis dit, au pire, j'aurai une ultra. J'ai pris mes petites pochettes un petit peu pourries là. Wow. De toute façon, je les mets à côté. Hein, elles ont pas le temps de s'abîmer. Waouh, Jirachi ex Soulard, c'est la 98e sur 101. Et donc, j'avais pas, vu que j'avais que deux Soulard. Donc. Wow, elle est très belle, hein. Franchement, elle est très très belle. Hein. Ça vaut, c'est autre chose que la ex normale. Hein. Wow, 4 boosters, on va dire presque 4 ultra. Enfin, 2 high-tech et 2 ultra. J'ai du mal à y croire en fait. Ouais, c'est ça, 4, j'étais en train de regarder. Bon, on continue les gens, si j'ai 12 ultra en 12 boosters, je sais pas si je posterai la vidéo. Déjà là, ça part. Ouais, je la posterai quand même, c'est sûr. Enfin, les gens diront ce qu'ils veulent. 1, 2, 3, 1, 2. Mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel là. Wow. C'est wow, super. En plus, je l'avais pas. Super. On continue. Donc, Malos. Carabing. Remoraid. Quanton. Aragdo. Énergie Plasma. Le professeur Ketelaria. Attrape Pokémon. Ouais, ils ont remis Attrape Pokémon. Je sais pas s'il sera toujours autant cherché. Fossile Plume en bah, un peu commune, reverse évidemment. Et derrière on a un Démolos holographique. Et bah dis donc. Superbe. Bon, je mets pas de pochette pour les holos. Je les mets juste à côté de toute façon. Tac. Donc on continue. Pour l'instant c'est vraiment super. Explosion plasma pour moi ça rime avec chance. À part mes displays ou. Bah je sais pas si en fait c'est de la chance d'avoir une œuf. Je sais pas s'il y a deux ultras par display maintenant, donc je peux pas vous dire. J'arrive pas à le sortir celui-là. Et sinon, ça rime avec chance. Voilà, mon tripack de la semaine dernière, il restera mémorable pendant longtemps. 1, 2, 3, 1, 2. Ouais, c'est ça. Nous avons Anchouette, Escargot, Gringolem, Machoke, Judocrac. Ah, j'avais pas vu. J'ai pas pris le temps de la regarder, il y a un caraclet juste derrière là. Sympa. Déclencheur inversé. Un Machoper, je recadre un petit peu, voilà. Un Sissache. Je le trouve très joli. Un Lance-Argot. Tiens, là je l'avais pas en reverse. En rare reverse. Et derrière. Non! Qu'est-ce qui se passe là? Je ne crois pas. Noctuynoir noir shiny. Wow. Voilà, par contre, là, je vais chercher une vraie pochette. Ah, je vous jure que c'est pas truqué. Ouais, je vais y avoir le droit, c'est sûr, mais wow. Noctuynoir noir. Enfin, par contre, c'est dommage, hein. Du coup, je l'ai déjà. Ah, là, si j'avais Viridium, c'était quand même chanceux. Donc à l'état d'échange, uniquement contre Viridium Shiny. Ou la traîneur c'est quoi? C'est Super Bonbon je crois. Ça doit être ça. Si c'est pas Super Bonbon, en tout cas contre la traîneur de cette série en Shiny, ça me dérange pas. Donc Noctuynoir Shiny, je suis vraiment choqué. La 104 sur 101. Voilà. Je peux pas vous dire grand-chose d'autre. Noctuynoir Shiny. C'est une ouverture assez énorme. J'en reviens pas là. J'ose même pas ouvrir les autres, de peur d'avoir d'autres ultras. Voilà, le booster, il est dépouillé. Ouais, à savoir que ces boosters-là, sous blister, je les ai achetés 3 € pièce. 3 € pièce à mon fournisseur de display habituel. Donc c'est un peu plus cher que si je prenais une display à l'unité. J'ai mes displays, bon, je vais vous dire la vérité, hein, j'ai les displays à 100 € pièce. Donc ça fait moins de 3 € le booster en tout cas, mais bon. C'est toujours bon d'avoir quelques boosters à l'unité.
En vérité, les boosters d'unité, je les ai pris vraiment pour les ouvrir en vidéo, vu que bah, je vous ai dit, hein, je n'ouvre pas les displays en vidéo. C'était pour vous faire plaisir, et là, bah, y a de quoi faire. On va continuer avec Blizzy. Low Class, Galekid, Drabi. Donc ça, c'est une carte du coffre des dragons, sur à 100%. Carapuce, une réédition du coffre des dragons. Énergie Plasma, un 6H, une Hyperball, déclencheur inversé, un peu comme une reverse. Et Macogneur holographique. Superbe. Je l'avais déjà. Tac. Oui, donc encore une holo. Okay, je suis en train de me demander si j'avais. J'aurais dû vous l'ouvrir. J'aurais dû les ouvrir devant vous, hein, les blisters, pour vraiment vous le prouver. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Moi, ça me dérange pas. Remoraid. Pyronie, Gringolem, Stalgamin, Coupenote, Octillery, j'accélère un petit peu vu qu'on s'est arrêté pas mal, on est déjà à 16 minutes de vidéo. Mushana, Bracelet d'argent qui sort tout le temps, je vais l'avoir en 10 fois. Un Mascadra en rare reverse. C'est une rare, ouais. Et Créfolée holographique, alors c'est celle-ci qui me manquait, je crois. Ouais, c'est celle-ci qui me manquait, Créfolée holographique. Bon, écoutez, super. Surtout que je suis le premier à critiquer ceux qui trient, donc j'espère que j'aurai pas ce genre de commentaires, mais bon. On verra bien. C'est reparti avec un Stalgamin Drabi. Ouais, donc 101 cartes hein, dans la série. Hein. C'est pas beaucoup, hein. C'est pour ça qu'on a beaucoup de doubles. Carapuce, Teddy Ursa, Machoke, Reliquante, Lamperrois, Hyperball, un Carapagos, un peu comme une reverse, et un Pyrax en rare. J'aime bien ce Pokémon. Je sais pas pourquoi. Hein. Une espèce de bourdon. J'adore ce Pokémon. J'ai cette carte en rare reverse et elle est vraiment très jolie. Hein. Ok. Tac. Donc il reste 3 boosters. Bah écoutez, en 10 boost en 12 boosters, j'espérais avoir. Je vous l'ai dit qu'il y avait 12 boosters. Est-ce que je vous ai dit qu'il y avait 12 boosters au total? Ah, je sais plus. Il y avait 12 boosters. J'espérais avoir une ultra, comme je vous ai dit. Pourquoi pas une shiny? Je ne croyais pas trop. Voilà, c'est même pas espéré là. Et on l'a à chaque fois, celle-là, j'ai l'impression. Stalgamin, Remoraid, Judocrack, Aragdo. Je passe assez vite, hein. Carabine. Relicante, Professeur Ketelaria, un 6H, Dracos, justement c'est la carte que je voulais avoir pour vous la montrer. Donc ça là aussi c'est la carte du coffre des dragons, c'est exactement la même que le Drabi. C'est un petit peu dommage, je vais faire des rééditions, mais bon. C'est comme ça. Donc Dracos, un peu comme une reverse, ma foi elle est quand même jolie. Et oui c'est une holo, on voit pas bien. Golemastock en holographique. Donc je suis ouvert à échanger plusieurs holos contre une ultra rare. Combien, je sais pas, hein. Faudra voir, mais. De toute façon, en ultra rare, j'en ai pas beaucoup à l'échange. Hein. J'ai juste Jiraichi X, Genesect, X, Kuren X. Et c'est tout. Et Noctuil Noir Shiny, du coup. Mon Noctuil Noir, c'est vraiment contre une autre Shiny de glaciation. N'importe quoi. D'explosion plasma. Porygon. Muna. Judocrack. Kangourex. Nucleos. Reliquante. Miroir d'argent. On l'a pas encore eu. Carapagos. Mushana. Un peu comme une reverse. Et derrière. Eh ben, Pyrax. Encore. De toute façon, il va falloir que je trie tout ça. Et le dernier booster, pas le cas. Voilà, si je pouvais avoir un tech, ça serait bien. J'en ai 3 du coup maintenant. Il me manque une. Je pourrais pas vous dire, je serais incapable de vous dire c'est laquelle. Je sais qu'il y en a 4, c'est tout. Alors, Machoke, Gringolem, Couponnette,
Carabing. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, c'est le centre Pokémon, je pense. En chouette. Ursaring. Alors celle-là, quand je l'ai vue, je me suis dit, tiens, j'ai mal trié, c'est une rare. Mais non. Vous voyez bien le signe en bas à droite, hein, juste ici. C'est une peu commune, 130 PV, Ursaring. Je comprends pas, mais bon. Miroir d'argent, Hyper Ball. Bah tiens, Ursaring en peu commune reverse. Et derrière, un Aeropteryx en holographique. On est hyper gâté. On est hyper gâté. Wow. Donc je vous fais la récap en direct. Je vais vous montrer, comme d'hab, hein, je vous montre que les ultras à chaque fois. Donc on a été très très gâté. On a eu une Master Ball en Ice Pack ou High Tech, hein, comme vous préférez. Un Impulsion G. Et ça attaque de 200. Défausser deux énergies attachées à ce Pokémon. Les dégâts de cette attaque ne sont affectés par aucun effet en action sur le Pokémon défenseur. J'ai rien compris. C'est pour ça que je joue pas, je crois. apparemment, ça sert à attaquer. Impulsion G, ça serait bien pour Genesect, je pense. Donc Genesect, justement, en X. Nous avons eu un Jirachi X Full Art. Qui est éblouissante. Magnifique. Et un Noctuynoir Shiny. Noctuynoir secrète, je suis encore sous choc. J'ai eu en l'espace de 12 boosters quasiment le contenu de deux de mes displays. Hein. Quasiment. Je regrette vraiment mon achat, franchement, sur les displays en tout cas. Bah, je vais vous les laisser là comme ça. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine ouverture. Ce sera également des boosters explosion plasma. Ça sera toujours 12 boosters et toujours 12 boosters sous blister. Toujours sur Blister, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Le concours est toujours en cours, hein, donc n'hésitez pas à participer, ça me fera très plaisir. Et puis il y a pas mal de lots à gagner, donc bah, ça peut être que positif pour vous. Et donc on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.